Vous avez quelques vergetures disgracieuses sur votre corps. Vous allez les faire disparaître aujourd'hui. C'est presque impossible, n'est-ce pas? Mais sachez qu'il y a des solutions pour faire en sorte qu'elles se voient moins. Pour cela, pas besoin de produits ultra sophistiqués. Parce que ici, Marie-Lenis Coach et son équipe connaissent une vieille recette de soins maison super efficace. Voici un remède de grand-mère efficace et naturel, mes amours, pour les estomper. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio, Marie-Lenis Coach. Coach est toujours pour vous servir, pour vous apporter des informations très précieuses au quotidien. Mes amours, ce dont vous aurez besoin, c'est un demi-avocat, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de miel. Préparation. Réduisez le demi-avocat en purée dans un bol. Versez le jus de citron. Ensuite, ajoutez le miel. Enfin, mélangez très très bien de telle façon que vous puissiez obtenir une pâte bien lisse. Résultat, vous obtenez votre baume de soin pour et qui est prêt à l'emploi. Comment est-ce que vous allez utiliser votre remède? Pour que vos vergetures s'estompent facilement, il ne faut pas attendre qu'elles cicatrisent, ok? Que les traces deviennent blanches, non. Faites ce petit soin dès l'apparition des vergetures, quand elles sont encore violacées ou roses. Ceci pour avoir des meilleurs résultats. Pour estomper ces petites imperfections-là, appliquez ce masque corporel 2 à 3 fois par semaine, en massant les traces pendant 5 minutes pour stimuler la peau et bien faire pénétrer le produit. Mes amours, nous allons voir là maintenant quels sont les bienfaits de ce baume contre les vergetures. S'il y a beaucoup de vergetures, on va appliquer le produit sur toute la zone concernée pendant 10 minutes. La peau ne risque rien puisque les ingrédients sont naturels, on est d'accord. L'avocat régénère la peau, le miel la nourrit et l'assouplit, et le citron éclaircit les marques. Avec ces 3 ingrédients associés, vous allez obtenir des bons résultats sur vos vergetures. De quoi pouvoir à nouveau vous dévoiler sans complexe. Un dernier petit conseil, ne conservez pas ce mélange plus de quelques jours car l'avocat a tendance à noircir. Mes amours, c'est à votre tour et d'essayer ce remède. Si vous avez déjà fait, on ne sait jamais, hein? Dites-nous en commentaire si cela vous a donné des résultats satisfaisants parce que mon équipe et moi, nous avons hâte de vous lire. N'hésitez surtout pas si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez toutes les notifications, likez, commentez et partagez. Bisous, bisous!